Salut les cadavres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va essayer de repartir sur un des eaux un peu plus sérieux que l'épisode d'avant. Malheureusement, j'ai pas pu faire autrement. En revenant à la guilde des voleurs, voilà que m'attend une note de Zeira, qui a des informations au sujet de Nicolas, et on va aller la retrouver dehors. Je rêvais de cet endroit quand je n'étais qu'un jeune coupe-jarret. Je me disais qu'en gagnant bien ma vie, je pourrais aller ici, la tête haute, commander un verre comme tout le monde. C'est le même goût que ce qu'on boit à l'antre. Ouais, c'est à cause de lui que j'avais besoin d'un verre. D'après Magnifica Falora, le vaisseau prison de la Roue de Fer a rencontré une tempête et a failli couler. Les vagues ont emporté une dizaine de personnes par-dessus bord, dont Nicolas. Corps perdu dans la tempête, disent-ils. Et Magnifica Falora non plus. Voici une copie de son avis de recherche. Il est placardé dans toute Annette. Je veux que vous appreniez la vérité. Si les morts nous donneront une fête à l'antre, mais s'il est vivant, retrouvez-le et... Faites comme vous voudrez. Je soutiendrai votre décision, quelle qu'elle soit. Un certain faucon du désert est aussi aux trousses de Nicolas. C'est ce qui a attiré mon attention. Essayez d'apprendre ce que c'est que ce faucon. De ce que j'en sais, le faucon du désert se trouve à Fanjombre, dans une taverne de fort tempête. Voyez ce que vous pouvez découvrir. Si une piste mène à Nicolas, suivez-la. Arrive des choses fâcheuses à ceux qui ont frayé. Le club des frères Piécette. Sympa comme coin. On va parler à Rambic. C'est fou là. C'est bien le mec qu'on a assommé qui gardait Zaira. Vous êtes bien la dernière personne que je m'attendais à voir ici. Êtes-vous là pour vous moquer? Pour me dire que ma quête de Nicolas se soldera par un échec? Et comment avez-vous su que j'étais le faucon du désert? Je ne suis plus chef inspecteur de quoi que ce soit. Après que votre guilde s'est échappée de la citadelle Noshira, j'ai dû démissionner de la Roue de Fer. Le journal était une jolie astuce. J'avais espéré qu'il condamnerait Nicolas à son procès, mais c'est une tempête qui s'en est chargée, supposément. Je ne vous dirai rien. Je ne vous fais pas assez confiance pour vous donner l'heure. Alors, des informations. Nous pensions que le débarcadère d'Aba était plein de bandits. Les seigneurs marchands nous ont conseillé d'étudier la guilde des voleurs. Lorsque j'ai compris qu'ils se servaient de nous pour régler d'anciennes dettes, j'ai replié la Roue de Fer vers la citadelle Noshira. Vous me trouvez cruel? Sachez que je déplore nos méthodes. Ah, d'accord, vous avez encore gagné. Tenez, cette clé ouvre mon coffre. Vous pouvez tout prendre. Non, mais je le soupçonne d'être à Deshaan. Il y a un informateur, un certain Bellulor Kozbek. C'est une fouine, mais il saura peut-être où Nicolas se rendait. Tout est dans mes notes. Je ne vous aide pas, je mets fin à mon implication. J'en ai fini avec cette affaire. Je n'y trouve ni honneur ni profit. Eh ben, quel faucon du désert. Bref, on va aller fouiller son petit coffre. Le coffre-fort. La gueule du coffre-fort. Ah ouais, artisanal le coffre-fort. On nous dit... Bellulor doit être au courant, voilà ce qu'on me répond le plus souvent. Ok.
pas besoin d'en savoir plus. Vas-y, pousse-moi, t'as raison, je te dirai rien. À présent, nous le gars se trouve au refuge des hors-la-loi de Fort Tempête. Marchandise de qualité. Je ne crois pas vous avoir déjà vu. Peut-être bien que si, j'étais sacrément ivre hier. Eh bien, si c'est le cas, rebonjour. Vous travaillez pour l'autre, là? Bec de bélier? Aile de faucon? Il posait les mêmes questions. Il paraît que c'était un garde. C'est lui qui vous envoie, alors? D'accord. Annoncez-lui mon prix. Payez mes ardoises dans toutes les auberges de la ville. Baissez les poings! Bellulor connaît la chanson. Il faut bien que je mange! L'impérial n'était pas d'ici. Il ne faisait que passer. Je vais tout vous dire. D'abord, il ne se faisait pas appeler Nicolas. Je ne me rappelle pas son nom. Rien de marquant. Mais je me rappelle la haute elfe qui l'accompagnait. C'était une veuve. Il l'appelait ma volu chérie. Il rentrait chez elle. Un manoir à côté d'un fort de Deshaan. Fort taldéique, je crois. Je ne me rappelle rien d'autre. À force de boire, vous comprenez. Mais ils devaient se marier à leur retour. Oh oui, elle était très amoureuse, c'est sûr. Lui, il était peintre, sur toile, pas en bâtiment. Il lui apportait de la joie. Ça aurait été charmant si je m'étais pas évanoui sur leur table. En tout cas, la porte de chez eux n'est pas fermée. Bonjour, je m'introduis chez vous et je viens vous parler. Je ne reçois pas souvent de visiteurs dans mon jardin. Surtout des visiteurs non invités. Ventus ? Mais pourquoi ? Et qui êtes-vous d'abord ? Il a assez de mal comme ça à trouver sa muse. Le distraire avec des histoires financières n'aidera pas sa concentration. Je dois vous demander de partir. Je préviendrai Ventus de votre visite. Trouver un moyen d'entrer. Est-ce que ça, ça marche pas ? Non, ça, ça marche pas. Le seul souci dans ce jeu, c'est que on n'a pas besoin d'être imaginatif en fait. C'est. T'auras beau essayer de te décarcasser. Globalement, si tu suis pas la minimap, t'as pas d'indice pour trouver les réponses. Je pense qu'ils auraient mieux fait de cacher certains trucs à la minimap. Et de nous laisser un petit peu chercher, tourner autour des manoirs avec ce genre de trucs là. C'est quand même un peu guidé cette histoire. Moi je me cache même pas, de toute façon hein, on a tous bien compris qu'on s'en fout comme de l'an 40. Et voilà mon ami Nicolas. Vous n'êtes pas la personne que je m'attendais à voir. Et pourtant. Je savais bien que je n'en avais plus pour longtemps. J'espérais tenir un peu plus, tout de même. Zera voulait s'assurer que je sois bel et bien mort, n'est-ce pas? Elle a trop bien retenu mes leçons. Quelles affaires! Celui que vous appeliez Nicolas est vraiment mort dans cet orage. Je suis un autre homme, un homme marié. Je vis paisiblement dans cette maison pour peindre ce que ma femme aime. Je suis à la retraite. Très bien. Nous savons tous les deux quel rôle j'ai joué dans ce qui est arrivé à la guilde des voleurs. Je ne vous supplierai pas de m'épargner, si c'est ce que vous attendez, si c'est ce que Zera espère. Vraiment ?
Vous n'entendrez plus jamais parler de moi. Je vous le jure sur l'amour que je porte à ma femme. Cette maison, mon épouse. Je ne désire rien de plus. Merci. J'en ferai bon usage. Je viens d'être rattrapé par ma gentillesse naturelle. J'ai pas pu le buter. Pourquoi ? Pourquoi ? D'abord parce que je trouve que Zaira est vraiment une conne. C'est-à-dire, ses plans sont pourris, elle dirige la guilde de manière plus que discutable. Nicolas est plutôt un gars intelligent. Et au moins, comme ça, au pire, il a une dette envers moi. J'ai eu une visite inattendue aujourd'hui. Rien d'important. Notre ami est sur le point de partir. Que dirais-tu de te détendre en buvant un bon verre de vin ? Il me reste un peu de ce grand cru colovien que tu aimes tant. Bon, on va partir du principe qu'il m'a pas menti. Par contre, s'il m'a menti, me vengera. Alors, est-ce que Nicolas a survécu à la tempête ? Que s'est-il passé ? Il a réussi à se refaire, malgré la mort et les trahisons qu'il a semées. On ne connaît jamais les gens. Pas en profondeur. Vous avez aidé à remettre la guilde des voleurs sur pied. Et même à redorer son blason. J'ai confiance en votre jugement. Désormais, toutes les vieilles affaires sont reléguées au placard. Allons-y. Nous avons une guilde à gérer. Il reste des cambriolages à planifier et des seigneurs marchands à voler. On se retrouve à l'antre. Je suis super content d'avoir une assistante, faut juste que je trouve comment on fait pour les invoquer maintenant. J'en ai jamais eu. Voilà. Et voilà. Et je sais pas comment ça s'invoque. Je peux avoir des familiers. Hein, c'est formidable. Quand je fais rendre actif, pouf, le chien-chien, il apparaît. Salutations. Mais l'assistante, je sais pas du tout. Hein, comme c'est bien indiqué dans le jeu. Cette merde. Bon, ben, on va aller chercher sur Internet comment on fait pour invoquer une assistante. Ok. Alors, en fait, ça remplace le familier pacifique. Ça fait apparaître cette chose-là, par terre. C'est un magasin de receleurs qui récupère 35% de la somme. Carrément. Putain, 35%. C'est vraiment quand tu veux te délester sur le moment d'objets que t'as volés. Ok, d'accord. Ah bah c'est pas inutile, je pense pas qu'elle me suive, si. Elle me suit ? Elle me suit, oh c'est Mimi ! On va se cacher tous les deux, regarde, hop. On est caché. D'accord, bah ça marche comme les familiers en fait. Donc soit j'ai Pirari la contrebandière, soit j'ai mon toutou, c'est ça l'idée je pense. Ah non, en fait, j'ai les deux invoqués, mais ils ont fait disparaître le chien parce que j'avais l'assistante. Si je renvoie l'assistante, j'ai le chien. D'accord, ça marche. Ah bah, je suis content d'avoir mon premier assistant. Je savais même pas qu'il y avait ça à la fin. Je vais juste récupérer la récompense de fin, qui est un sympathique bâton infernal. Je suis très content d'avoir un bâton.
ça va m'être très utile. On verra bien ce que nous réserve la suite. À mon avis, Thieves Guild est fini, je pense. Je verrai bien dans les jours qui viennent s'il y a une guilde. S'il y a une guilde. Et faut que j'arrête, moi. Je verrai bien dans les jours prochains s'il y a une quête qui pop à la guilde des voleurs. S'il n'y en a pas, je vais simplement passer à Dark Brotherhood après avoir fait un petit résumé de cette extension Thieves Guild. Parce qu'il n'y a pas que la quête principale, hein, il y a tout ce qu'on gagne en ayant l'extension, les compétences, les traits particuliers, le set d'armure qui est offert qui a l'air un petit peu pourri. On verra bien si finalement il faut acheter cette extension ou si on peut très largement s'en passer. Qu'y a-t-il ? En attendant les cadavres, bon jeu à vous, rendez-vous peut-être in-game, où que vous soyez. À ciao.